Et ouais, je ressors les vieux titres là. Un titre sorti en 2003, Dragon Ball Z Budokai. Pas révolutionnaire pour son époque, mais qui a sauvé surtout un jeu avant lui, sorti sur PSX, qui avait pas trop bien marché. Et donc, du coup, il a. On va dire que c'est celui qui a redoré le blason de la série en jeu vidéo. Voilà. Mais avant toute chose, avant que je commence, je dois dire que le 18 juin, ça fera un an que j'aurai commencé les vidéos. Bon, je sais pas si c'est bien nécessaire que je fasse quoi que ce soit, mais malgré tout, après y avoir réfléchi, bah, j'ai envie de marquer le coup, voilà, de faire une petite vidéo. Enfin, petite, je sais pas, parce que j'ai déjà quelques idées et en fait, ça risque pas d'être si petit que ça, mais bon, on verra bien. Voilà, et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ben, si jamais quelqu'un m'écoute, non, si jamais vous avez des questions, en fait, je risque de faire une petite FAQ dans dans la vidéo d'anniversaire. Et donc voilà, ben, si vous avez des questions, ben, vous m'envoyez ça par MP sur YouTube ou Dailymotion. Et puis voilà, vous faites ça ou je sais pas si mon email est. Si vous n'avez pas mon email, je sais pas si elle est disponible sur les sites, c'est bah, kishnifou, tout simplement, @gmail.com. Voilà, donc vous savez où me les envoyer. Voilà, c'était une petite aparté avant de commencer le test de ce jeu. Voilà, donc ce jeu qui est Dragon Ball Z Budokai. Voilà, donc qui a été édité pour la GameCube, attention je précise, qui a été édité pour la GameCube par Atari. Et développé cette fois pour PS2 et GameCube par Bandai. Et oui, comme je dis, édité par Atari sur GameCube parce que sur PS2, eh ben c'est Infogrames qui a édité le jeu. Je sais pas, c'est original comme concept. Enfin, j'ai pas l'impression que actuellement ça se fasse beaucoup, ça, que d'une plateforme à l'autre, ce soit, enfin, l'éditeur change. Surtout qu'en plus, le jeu. Est similaire, je veux dire, entre les deux versions, même si j'ai pas celui de PS2, à mon avis, enfin, je peux vous dire d'après ce que j'ai vu que c'était les mêmes. Voilà, donc je sais pas vraiment ce qui change ou pourquoi ça a été fait comme ça. Peut-être que c'était récurrent avant ce genre de choses. Moi, je sais pas, c'est quand j'ai été m'informer, enfin, quand j'ai vu ça, quoi, c'est ça m'a surpris. Bon. Peut-être. Donc là, on va charger partie sur la memory card. Et oui, oula, ça fait longtemps maintenant avec les disques durs internes des consoles, ça fait longtemps qu'on n'a pas chargé une partie sur une memory card. Quoique, sur Xbox 360, au début, c'était des memory cards. Bon. Et ben voilà, on va commencer. Donc là, nous nous retrouvons sur le menu principal. À l'effigie, comme vous voyez, des Dragon Ball. Voilà, les 7 Dragon Ball. Donc bon, ben, la dernière, c'est option. Je crois que je peux vous le passer, c'est bon. Et là, on va commencer par éditer les techniques. Oui, je commence pas par une phase de gameplay, non, non. Parce qu'en fait, je vous expliquais un truc qui. Ouais. Qui était pas mal présent bah, dans les premiers Budokai qu'ils ont fait. Parce qu'après, il y a eu le 2, le 3 qui ont suivi. Après, avec les Tenkaichi, où les combats se déroulaient non plus en 2D mais en 3D, là, je crois qu'ils ont. Arrêter un petit peu ce système d'achat de techniques, ou du moins ils l'ont énormément simplifié. Parce qu'avant, voilà, vous pouviez, donc là je vais sélectionner joueur 1, voilà, vous pouviez acheter des techniques dans le bazar. Vous pouvez aussi en gagner lors de l'histoire principale. D'ailleurs, c'est là où vous allez avoir les techniques phares, voilà, celles qu'il faut absolument avoir pour un personnage. Là, vous allez pouvoir en débloquer, oh, quand même des puissantes, je crois, et des rares, mais alors il va falloir. Parfois, par exemple, vous allez faire un tournoi, et vous allez revenir, et vous allez avoir une nouvelle technique qui va apparaître dans le bazar. Alors, il y a plusieurs types de techniques. Il y a. Alors, celles qui sont rouges, c'est surtout les techniques. C'est-à-dire, enfin, des techniques qui utilisent du KI comme le Kamehameha, le Kikoho. Physique, donc les bleus, c'est bah, c'est comme son nom l'indique, c'est à chaque fois qu'on va foutre des coups de poing, coups de pied, bah, le coup sera plus fort. Et on aura aussi des techniques en fait en fonction de ça, c'est-à-dire que
On va enclencher une technique qui va non pas utiliser du Kai, mais un enchaînement de coups. Voilà, de coups de pied, de coups de poing. Et soutien, bah, les vertes, c'est comme son nom l'indique aussi du soutien, mais ça peut toucher plusieurs choses, notamment avoir un Senzu. Un Senzu, si vous ne connaissez pas, c'est un petit bonbon dans Dragon Ball Z qui permet de régénérer sa vie très rapidement. Je me souviens d'une scène d'ailleurs dans le dessin animé où Goku est dans l'hôpital, il mange un Senzu et d'un coup il se relève de son lit comme ça. D'ailleurs, bah, cette scène est présente dans le mode histoire, hein, si je me souviens bien. Sinon, on a bon, les techniques hasard, c'est-à-dire que voilà, on va choisir ça et on aura une technique au hasard entre les trois premières catégories. Et recommandé, c'est une technique comme ça au hasard et ils nous disent à peu près bah, celle. Comme je vous disais tout à l'heure, les techniques phares qu'on doit avoir et qu'on n'a pas encore, par exemple, bah voilà, ils vont nous le recommander. Un système bien sympa, voilà. Je sais que j'y passais pas mal de temps parce que c'est vrai que c'était pas facile de réunir, même pas facile du tout de réunir l'ensemble des techniques. Et donc à chaque fois que, par exemple, j'allais faire un tournoi ou que je faisais l'histoire, je revenais pour voir si j'avais pas une nouvelle technique de disponible dans le bazar. Et ça m'a quand même pas mal occupé d'avoir toutes les techniques. Pratiquement autant que le mode histoire. Et oui, parce que pour l'époque, le mode histoire n'est pas hyper développé, n'est pas hyper long non plus. C'était plus une démonstration technique, j'ai envie de dire. De toute façon, à l'époque, c'est ça. Généralement, et même encore aujourd'hui, hein, mais ça se ressent un peu moins. Mais c'est vrai qu'avant, lorsqu'il y avait une nouvelle console, les premiers jeux qui étaient dessus, c'était la plupart du temps des démonstrations techniques. Et c'est vrai qu'au niveau du contenu, ça allait pas chercher bien loin. Mais malgré tout, il s'en sort pas mal. Parce que, certes, il y a peu de choses, mais les choses sont bien faites. Ce n'est pas la quantité. Enfin, je veux dire, comment on dit déjà? Ce n'est pas la quantité. Non. Je sais plus comment on dit. Putain, je sais plus l'expression, mais il y a quantité et qualité dedans. La quantité ne fait pas la qualité, un truc comme ça. Bon, après une fois qu'on a acheté donc les techniques, on a la liste ici. Ah non, ça, les techniques, c'est juste pour, d'accord, oui, pour nous expliquer un petit peu bah, ce que je viens de vous dire, quoi. Un petit tutoriel, un petit manuel intégré dans le jeu, bien sympathique, bien fait. Il n'y a pas trop de plâtras, ils expliquent juste ce qu'il faut. Voilà, donc qu'est-ce que je peux avoir oublié de vous dire? Voilà, donc ça c'est quand vous équipez un personnage des techniques, donc ça on le verra. Là c'est un petit peu, bon, de toute façon tout ça je vous en parlerai. Voilà, vous aussi c'est bon. Tout ça je vais vous en parler, c'est juste pour vous montrer un petit peu le manuel. Donc voilà, donc là c'est ça plutôt la liste des techniques. Donc ça c'est toutes celles que j'ai qui sont réunies en plusieurs catégories de personnages, les saillants, les humains. Donc pour vous citer des noms, hein, si jamais vous savez pas trop, Saiyan, bah voilà, Goku, Gohan Petit, etc. Humain, on a Krillin, Tenshinhan. Les aliens, bon là il y a Piccolo et je pense que là, ce qu'on n'a pas encore, oui, parce que j'ai pris une partie où je n'ai pas tout débloqué. Hein. Donc là, je pense qu'il y a les Cybaman, il doit y avoir les petits Cell, non, peut-être pas. Oh, je sais pas s'ils étaient intégrés dans celui-là, je sais plus. Si, il me semble qu'il y a les Cybaman quand même. Et les petits Cell aussi, je pense. Et les cyborgs, bah comme C18, C17, C16, etc. Voilà. Et là, change caps, c'est là où justement on va équiper notre personnage. Alors ça, de toute façon, on l'a dans à peu près tous les Dragon Ball Z à venir par la suite. Et petit bémol, pas dans ce jeu, mais justement dans les jeux à venir, c'est que plus on va avancer, plus le nombre de personnages sera important. Dans ce jeu-là, il y en a une vingtaine. Alors, en comptant les transformations, je pense, hein, non, ou c'est sans compter les transformations, il y en a à peu près une vingtaine. En comptant, oh, je sais pas, ça doit atteindre 30, 35, quoi. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, les personnages, il y en a énormément. Il y en a plus d'une centaine si on comprend les transformations. Et quand il faut tout équiper, oh, ça devient vite saoulant. Moi, ça m'a vite saoulé, ce machin. Bon, ça sert pas pour l'histoire, c'est pour le mode de joueur et tournoi. Donc, bon, ça sert quand même pas mal. Je veux dire, si vous voulez réussir vos tournois. Et c'est vrai que, bon, si vous voulez faire attention, si vous voulez jouer au jeu, voilà, si vous voulez le faire complètement, il faut équiper vos personnages.
Mais ça devient vite saoulant quand vous en avez, je sais pas, plus d'une centaine en comptant les transformations. Voilà, alors là, ce qui est bien dans ce jeu, justement, c'est que par rapport à l'époque, il y a peu de contenu, mais c'est justement un avantage. Parce qu'on va pas, passer des heures à la customisation des personnages, bien que, là, ce n'est qu'un avis personnel, hein, bien que pour beaucoup, ou pour certains, je ne sais pas combien vous êtes, il y en a qui aiment ça. Hein, voilà. Moi, j'aime bien, mais voilà, avec modération, on va dire. Alors, c'est là où justement on peut équiper toutes les techniques. Tiens, ça c'est marrant. J'ai la manette GameCube et l'analogue permet de tourner le personnage, alors que c'est la croix directionnelle qui va me permettre de naviguer entre les techniques. Donc, on peut équiper le personnage comme on veut, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de lui mettre deux capsules rouges, deux capsules vertes et deux capsules bleues, par exemple. Non, non, on peut carrément lui mettre 6. 6 capsules rouges sans mettre aucune verte ou bleue. Donc voilà, on le customise vraiment comme on veut. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a certaines techniques. Voilà, donc si j'appuie. Voilà. Alors là, on a les spécificités de la technique. Ce qui est pas mal, c'est que pour certaines techniques, c'est indiqué dans les petits symboles que vous voyez en bas. Généralement, on va pouvoir mettre deux fois la même technique au personnage. Et ça va influer sur sa puissance, sa grosseur lors du combat. Voilà, alors. Par rapport aux détails des techniques, bah, qui sont bien détaillées pour le coup, on a donc le nom. J'aime bien l'interface en tout cas. On a donc le nom, voilà, l'effet. Donc peut lancer attaque mort Kamehameha. Ou la description, voilà, c'est pas toujours très explicite. Mais bon, ça y est au moins. Après, les conditions d'attaque. Alors, on peut faire les attaques avec plusieurs combinaisons de touches. On n'en a pas qu'une seule. Et là, ce qui est bien aussi, mais ça je vous en parlerai plutôt quand je ferai un combat. Ce qui est bien, c'est que bah, c'est pas facile à les faire. Mais bon, ça je vous montrerai plus tard. Et on peut aussi, normalement. Ah, attendez, comment on fait déjà? Voilà, comme ça. Derrière, généralement, parfois il y a un petit commentaire. Alors, là il n'y est pas. Je vais voir si je prends un autre. Ah non, c'est toujours pareil derrière alors. Voilà, donc on a une réplique de l'histoire. En général, en rapport avec la technique. Voilà. Bon, et puis bah là, après vous. Alors, comment on fait déjà? Ah oui, voilà. Là, on navigue entre les personnages. Voilà. Bon, je ne sais pas tous équipés, hein. Mais voilà. Vous avez compris, je pense. Voilà. Si jamais je veux équiper, hop, je sélectionne. Et là, elles sont divisées en catégories. Sachant que chaque technique que l'on obtient ne peut pas être utilisée pour tous les personnages. Donc, il faut bien faire attention à ça. Si jamais vous voyez qu'un personnage a une technique et qu'un autre ne l'a pas, c'est normal. Alors, voulez-vous vraiment quitter? Oui. Et maintenant, on va passer un petit peu à du gameplay. Parce que, punaise, je me rends compte que ça fait déjà beaucoup de temps que je parle. Et que vous n'avez rien vu, comme d'habitude. Alors que moi, je me suis dit, il n'y a pas longtemps, Kishnifou, il faut que tu arrêtes de parler des détails que tout le monde s'en fout, parce que c'est vrai, tout le monde s'en fout. Ce que vous voulez voir, c'est du jeu, hein. Et j'y arrive pas. Donc voilà, c'est pas grave. Entraînement. Voilà, on va commencer par ça, afin que vous découvriez un petit peu les combinaisons de touches que l'on peut faire. Et un petit peu à quoi ressemblent les techniques. Et ben, on va prendre Goku. Voilà. Alors, je peux le prendre en modifié ou en normal. En modifié, il aura. Comme son nom l'indique, les modifications que je lui aurais apportées, c'est-à-dire les techniques que je lui aurais attribuées. Et on va prendre. Allez, contre à qui on va refaire la face, hein? Lui, ouais, j'aime pas sa gueule. Quoique lui aussi, je l'aime pas non plus. Allez, on va refaire la gueule à Rikoum. C'est parti. A savoir aussi que. Enfin, là, j'ai vu le nom de Rikoum. Parfois, entre les jeux, les noms des personnages varient. C'est-à-dire que parfois le gars il va avoir un E à la fin du nom, des fois il va pas en avoir. Freezer, il y en a certains jeux, il s'appelle comme un freezer, hein, comme vraiment l'outil pour friser les cheveux. D'ailleurs, je sais pas si ça existe. Je sais qu'il y a un lisseur qui existe, mais alors les freezers, ça je sais pas. Je pense que oui. Et non, mais enfin parfois ça va être freezer comme. Enfin voilà, c'est. Des fois, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des non-cohérences, des gens qui sont pas trop.
informés sur notamment les traducteurs des noms, bah voilà, c'est ça, hein, les traducteurs ils doivent pas être bien informés parfois, et donc des fois ils nous font des trucs bien marrants quand même. Alors on va aller, il y a pas mal de maps, hein. Oh, classique, hein, très classique. Bah, on se bat contre qui? Voilà, hop, contre Ikum, donc on va aller sur la planète Namek, voilà. Donc ne vous attendez pas à des arènes très détaillées, très grandes. C'était pas vraiment l'objectif de l'époque, surtout que c'était des combats en 2D. Quand on passe au Tenkaichi, là c'était plus important. Même s'ils ont pas réellement fait d'efforts. Ce que vous voyez là, par exemple, bah, dans Tenkaichi, c'est à peu près pareil. On peut se battre en 3D, mais l'arène est tout aussi épurée. Mais en même temps, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous voulez qu'ils ajoutent? Si jamais ils ajoutaient quelque chose, ça ne correspondrait pas à ce qu'on a l'habitude de voir dans la série. Dans la série, on voit ça. Alors qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus? J'avoue avoir du mal à comprendre des fois quand je vois des critiques, des tests sur les jeux de Dragon Ball Z et qui disent oh ben l'environnement est un peu vide, il manque quelque chose. Oui, ben, j'ai envie de dire, je suis désolé, mais c'est ce qu'on a dans l'anime. Vous voulez qu'il rajoute quoi? Bon, il pourrait peut-être faire des efforts, oui, je sais pas, moi, sur faire des dénivelés, mettre plus d'éléments destructibles. Peut-être mettre des références à l'anime qui nous ferait plaisir. Là, j'avoue que oui, il manque peut-être des petites références. Voilà. Moi, je critiquerais ça. Mais après, le fait de dire que c'est trop épuré, tout ça. Oh. Bon. Alors voilà, ça se présente comme ça. On est en 2D. L'animation, comme vous le voyez, elle est très réussite. Voilà, donc c'est là plutôt la démonstration technique. Vous voyez, c'est quand même beau. Je veux dire, si vous vous replacez dans le contexte de l'époque, il n'y a pas de bavure, tout ça, c'est. L'animation est très bien réglée. Alors par contre, je vais enlever ces machins. Donc, voilà, là c'est le menu. Je vais enlever un petit peu toutes les voilà statuts et commandes. Je vais juste mettre les commandes. Voilà, je vais les afficher à l'écran. Parfait. Lui, il bouge pas pour le moment. Et donc voilà, on peut se déplacer. Il y a pas grand-chose. On peut pas faire énormément de choses hein, au niveau du gameplay. On peut reculer en appuyant deux fois sur l'analogue et on peut avancer en appuyant une fois et courir en appuyant deux fois. Voilà, enfin, lui, il vole au-dessus du sol. Ce qu'on peut faire, c'est foutre des coups de poing avec A, avec le pad GameCube, hein, sinon ce serait croix avec le pad de la PlayStation 2, et avec triangle et Y pour les GameCube, ça je m'y ferai jamais. De toute façon, pour GameCube, pour toutes les consoles, je dis triangle là, quand c'est en haut. Alors là, c'est les coups de pied. Et on peut faire des enchaînements coups de poing, coups de pied. Voilà, vous voyez. Et grâce à ces enchaînements-là, que vous voyez s'afficher en bas, avec des lettres un petit peu bizarres, et oui, parce que ça, c'est... Ça, c'est un système qu'ils ont vite abandonné. Mais au début, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est japonais, j'en sais rien. Mais on a, pour carré, par exemple, ou pour le A sur GameCube, on a des P. Voilà, P qui peut se traduire par point, pour les points, sûrement. Et un K pour les pieds, kick. Voilà. Et après, si on veut faire des kicks au haut avec le X, voilà, on a un E. Bon, ça m'a beaucoup déstabilisé quand j'étais petit. Mais bon, on s'y fait, comme vous voyez, par exemple... Quand je fais le coup de poing carré, ah non je vous ai dit croix mais non ce serait plutôt carré. On voit que c'est la même couleur que le carré. Pour triangle, voilà, c'est le K est du même couleur que le triangle vert. Donc voilà, j'ai plutôt l'impression que ce jeu a d'abord en fait c'est bizarre parce qu'on dirait que le jeu a été fait pour sortir sur PS2 alors qu'il est sorti 20 jours après. Là, celui sur GameCube est sorti d'abord et 20 jours après il y a eu celui sur PS2. Donc bon, ouais, je sais pas, il doit y avoir des petites magouilles derrière entre les éditeurs qui diffèrent et tout, je sais pas. C'est assez bizarre. Bon, on va peut-être lui foutre le premier coup de poing, attention! C'était cool, hein? Non, voilà. Alors, je fais des petits enchaînements, hop. Et là, ce que je peux faire, comme vous voyez, j'ai mes techniques, parfois en bas qui clignotent, et bien c'est lorsque j'ai fait un enchaînement qui va me permettre d'utiliser une technique. Là, par exemple, je vais faire A, A, Y, Y, donc deux coups de poing, deux coups de pied. Et je vais appuyer sur rond lorsque j'aurai fait mon enchaînement. Et ça va m'enclencher une technique. Attention, c'est parti. Voilà. On a une technique qui s'appelle le Kamehameha tordu. Il prépare son Kamehameha. Il se téléporte. Si vous connaissez l'anime, c'est une technique classique de Goku. Voilà, voilà. Et si vous voulez voir l'ensemble des enchaînements et des attaques disponibles, vous allez dans... Je sais pas...
Non, c'est pas marqué là. Action, défense, contre-attaque, rétablissement, affiche la collection des pages, champ d'entraînement. On n'a pas le. C'est pendant l'histoire alors. Pendant l'histoire, on doit avoir le récapitulatif des enchaînements qu'il est possible de faire. Alors que là, je vois rien du tout là. Ou alors, je suis vraiment bigleux. Hein. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je sais que par exemple, pour faire le Kamehameha, il faut appuyer dans la direction de l'ennemi et faire 4 fois des coups de poing. Non, même pas. Ah non, faut même pas. Non, faut faire 4 fois coups de poing. Voilà. Kamehameha! Et Kamehameha qui est jaune. Alors que d'habitude, il est bleu. Donc là, j'avoue, je capte pas trop. Ouais, ou alors d'habitude, il... Non, d'habitude, il est quoi? Si, si, d'habitude, il est bleu. Bah, si, si, le Kamehameha est bleu. Là, c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont mis... Ils l'ont mis jaune. Bon, par contre, voilà, on peut se régénérer le Kai. Oui, moi, je dis Kai. Il y en a beaucoup qui disent Ki ou... Bon, moi, je dis Kai, voilà. Rien à foutre. Et on peut augmenter, voilà, jusqu'à 7 barres de Kai. Et grâce à ça, on va pouvoir faire des techniques tant qu'on en a. Alors ça, c'est vrai, c'est aussi un truc avant... Enfin, de toute façon, tout va vers la facilité. Hein. Comme vous voyez, même dans les jeux actuels, c'est toujours ça. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, dans les jeux actuels, le Kai se régénère assez automatiquement et est beaucoup plus simple d'utilisation. Alors que là, déjà, les ennemis, quand on les fait bouger... Bah, regardez, par exemple, si je le fais bouger... Action, garde 1, garde 2, match. Voilà, et je vais le mettre en moyen. Voilà, comme ça, il va être moyennement bon. Et donc, vous voyez que il se rapproche à peu près toujours de nous. Ce qui fait que ça rend tout de suite beaucoup plus compliqué le fait bah, de se régénérer. Ce qu'il y a, c'est que le combat est très dynamique. Ça, c'est vrai, ils ont réussi leur coup sur le fait de rendre les combats assez dynamiques. Le problème, c'est que par exemple, quand on veut se régénérer, là, par exemple, j'essaie de me régénérer, voilà, il va venir vers moi, ou alors il va me lancer une vague Kikoa, ou je sais plus. Voilà, donc par exemple, hop, j'essaie de me régénérer, voilà, là, il m'attaque. J'ai à peine eu le temps de régénérer une seule technique. Voilà, donc vous avez vu. Maintenant, je vais retourner au menu principal. J'avais pas grand chose d'autre à vous montrer, hein. Et comme vous voyez, c'est assez compliqué. Alors, on va faire le championnat du monde, comme ça je vais pouvoir peut-être vous en dire un peu plus sur les techniques, sur la manière de combattre. Et cette fois-ci, alors, novice, initio, de toute façon je peux faire que le novice. Donc ça c'est le tournoi. Et j'avoue bien aimer les tournois, à comparer de ceux actuellement. Oui, je fais beaucoup de comparaisons, mais c'est normal. C'est pour vous dire un petit peu, parce que souvent on voit les améliorations entre les opus. Alors que là, j'ai envie de vous montrer surtout les régressions qu'on a eues. Surtout que c'est vrai qu'actuellement, les jeux Dragon Ball Z sont beaucoup critiqués parce qu'ils reprennent souvent les mêmes codes utilisés dans les anciens. Et c'est surtout des codes très simples. Voilà, c'est tout du simplifié, tout du casualisé. Et c'est vrai que ben, c'est pas forcément... je veux dire, on voit plus vraiment... je veux dire, ils sont tous pareils, quoi. C'est des pâles copies entre elles. Il y a juste quelques petites choses qui changent. Ils se foulent pas trop pour nous proposer des nouveautés. Rien que là, vous voyez par exemple, les petits avatars là, des personnages, ils sont marrants, ils sont comiques, ils sont drôles, ils reprennent des figures, des espèces de... En fonction du caractère du personnage, vous voyez le Piccolo qui est un peu méchant, réservé, le Goku qui est toujours voilà, un petit peu joyeux. Alors que ça, c'est des choses qu'on perd un petit peu actuellement. Si vous voyez, la plupart du temps, la présentation des personnages, c'est sobre et c'est sérieux. C'est genre sur sa tête, c'est « je vais te casser la gueule ». Mais il n'y a plus ce petit lâchage des développeurs, ils se laissent aller un petit peu, il n'y a plus vraiment ça, on a l'impression que voilà, ils font leur truc, hop, on nous a dit de faire comme ça, on fait comme ça, voilà, hop, c'est fait, emballer, c'est peser. Alors que non, moi j'aimais bien ce petit esprit décalé, cet esprit décalé qui est également présent dans la série, et qui malheureusement ben, perd de sa superbe dans les autres opus et qui sont juste faits pour être faits, j'ai l'impression. Même si ça n'empêche pas qu'ils sont bons, ils sont vraiment bons, c'est ça le problème. C'est parce qu'ils sont bons, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Ils vont être bons et originaux dès le premier jeu fait, puis dès qu'ils en font d'autres, ils vont reprendre les mêmes choses, les adapter pour en faire un jeu plus complet... différents au niveau de l'histoire ou je sais pas vraiment, et du coup bah, ça va pas, ils vont pas avoir leur propre identité, alors que lui par exemple il a sa propre identité. Et d'ailleurs, même dans le Budokai 2, en fait les Budokai 1, 2, 3
Ça, c'est des exemples pour les jeux vidéo actuels et pour tout. Parce que franchement, le Budokai 1, 2, 3, ils ne se ressemblent pas du tout. Ils ont certaines similitudes, mais alors ils innovent tous d'un côté ou d'un autre. Je vous les montrerai, mais alors vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Alors que le Budokai Tenkaichi 1, 2, 3, alors là c'est des suites, mais même pas des suites, c'est des extensions. C'est des 1.1, 1.2, 1.3. Alors ça, voilà, alors que là pas du tout. Non, non, les Budokai, ils se diversifient bien entre les trois. Alors pour qui c'est qu'on va choisir? Allez, on va choisir un petit, j'aime bien Gohan. C'est mon personnage préféré. Enfin, surtout Gohan Ado. J'avoue que je l'aime bien. Je vais prendre un modif, même si... Merde! Ah oui, non, oui. J'allais dire, et je choisis pas mon adversaire. Mais non, non, c'est un tournoi. Vous voyez, voilà. Vous entendez un petit peu le présentateur qui se déchire. Ça aussi, il n'y a même plus de présentateur dans ceux d'après. Il y a plus... C'est chiant! Voilà, j'arrête pas de dire ça, mais c'est chiant! Vous voyez, vous sentez le suspense là? J'ai toujours tendance à vouloir critiquer les ceux d'après. Ah tiens, j'ai une nouvelle tenue. Je sais pas comment j'ai fait ça, tiens. J'ai dû appuyer sur une touche qui m'a fait changer de tenue. Ah non, non, bah non, c'est pas moi, c'est Goku. J'ai tellement l'habitude d'être à gauche. Non, moi je suis Gohan, moi. Bon, par contre, je connais pas les touches. Justement, voilà, voir technique. Technique indisponible actuellement. Génial. Parce qu'en fait, le personnage, je crois que je lui avais pas mis de modif. Moi, en plus, on est passé dessus. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais pas vous montrer le tournoi en entier, juste un seul combat. Juste pour vous montrer que dans les tournois, ce qu'on peut faire, ce qui est assez original, donc je vais essayer de le faire, attention, c'est qu'on peut les sortir du ring. Attention, j'essaie de le faire. Voilà. On peut les sortir du ring, et grâce à ça, on gagne directement le match. C'est pas beau, ça? Bon, on essaie de le gagner, le tournoi? Allez, on va essayer de le gagner. Sans technique. Allez, c'est un petit défi que je me fais. Bon, même si c'est en novice, hein. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est cet aspect que le jeu se prenne pas totalement au sérieux. Qu'on retrouve ce comique instauré dans la série animée, dans les mangas surtout, parce que c'est de là que ça provient quand même. Le manga de Akira Toriyama, ce célèbre mangaka. Et. Putain, mais ils ont tous des tenues différentes de d'habitude. Ça c'est sympa. On va essayer tous de leur faire un ring out, hein. Vous êtes partants? Allez, on va faire ça. Bon, par contre, ça se complifie, ça se complexifie avec la suite, hein. Ils sont pas tous du même niveau. Même si c'est en novice, parfois on peut avoir du mal. Bon, toi j'ai envie de... Oh non, non, non! Alors ce qu'il y a, c'est quand ils font ces techniques-là, eh ben ça nous remet au milieu de l'ère de jeu. Alors attention, je vais l'avoir. Non, relève-toi, il s'est pas relevé, ça c'est dommage. Alors voilà, c'est bon. Avant de toucher le sol, quand on est projeté, on peut appuyer sur la touche de garde qui est B. Et qui doit être croix sur PlayStation 2. Juste avant de ratterrir, donc moi je bourrine, hein, je fais pas juste avant de ratterrir, hein, je bourrine. Et donc du coup le personnage se relèvera automatiquement au lieu de rester comme une pauvre loque au sol. Eh ben, je vais me combattre contre trois yeux, tiens. Tenchi Han. Voilà. Donc bon, final. Après, je vais gagner de l'argent qui va me permettre donc d'acheter des nouvelles techniques au bazar de Monsieur Popo. C'est Monsieur Popo? Oh, mais je viens de me rendre compte que Popo c'était autre chose. J'avais jamais fait le rapprochement. Oh putain, mais c'est qu'il est vénère là, dis donc. Bon, comme j'ai pas de technique, je sais pas trop quoi lui faire. J'ai pas trop envie de le battre à la loyale parce que sans technique, ça va être difficile. Ah. Allez, je t'esquive. Ah oui, parce qu'on peut utiliser les gâchettes pour l'envoyer comme ça. Et si, par exemple, on fait tous les deux... Attendez, je me concentre. Si on fait tous les deux... Ah oui, je l'ai eu. Si jamais on fait tous les deux on appuie tous les deux sur la gâchette, donc ça s'appelle un coup puissant, je crois, on va se retrouver dans une espèce de monde parallèle où on va se foutre plein de coups très rapidement et on va falloir tourner le joystick, je crois. Et après, celui qui aura tourné plus vite le joystick foutra un dernier coup. Enfin, foutra un coup et sortira de cette bataille infernale. Voilà, j'ai gagné 10 000 zennis, c'est cool. Et ça enregistre sur ma memory card dans le slow A.
Allez, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ouais, bon, duel. Ça, on s'en fout, c'est si vous êtes à deux. Hein, pas de grand changement avec ce qu'on vient de voir depuis le début. Et là, le Saint Graal, le mode histoire. Alors ça, je ne peux vous expliquer avec des mots tout ce que je peux ressentir actuellement sur le mode histoire. C'est vraiment une référence pour moi. Ce mode histoire-là, à chaque fois, quand il y avait un nouveau Dragon Ball Z après, qui était fait en jeu vidéo, pour moi, c'était... Je me disais, oh non, ils ont pas fait pareil, oh non, c'est pas bien. Parce que vraiment, ce mode histoire-là, c'est avec des vraies cinématiques. C'est pas simplement on va vous foutre le personnage dans la cinématique qui bouge pas et qui fait que parler en croisant les bras. Non, 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 non. Là, il n'y a pas une seule fois ça. C'est tout fait en cinématique originale et unique. Je dis bien unique parce que je vous avais fait le test de Dragon Ball Z Burst Limit qui était bon, mais qui reprenait parfois des cinématiques exactement pareilles, des scènes de combat classiques, mais avec d'autres personnages. Il y avait juste les personnages qui changeaient. Mais ça, j'ai trouvé ça tellement aberrant. Ça me faisait tellement plaisir de revoir des cinématiques dans le mode histoire, parce que je crois que oui, Burst Limit, c'est l'un des seuls qui remettait des vraies cinématiques dans le mode histoire. Ça me faisait tellement plaisir de voir ça que quand j'ai vu qu'il reprenait des cinématiques qui en changeant juste les personnages, j'ai été mais tellement déçu que ce jeu-là est sorti en 2003, qui proposait une histoire complète, originale, avec des cinématiques toutes uniques, toutes les unes des autres. Mais alors, je trouvais ça tellement révolutionnaire et que après 2010, on n'arrive pas à proposer une histoire. Bon, certes, oui, c'est long. Là, ça va que jusqu'à Cell et c'est très, 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 très résumé. Alors, je peux comprendre, d'accord, qu'aujourd'hui, ils peuvent pas faire des histoires très longues et faire tout en cinématique unique. Je suis d'accord. Mais en même temps, ne me dites pas qu'ils pourraient pas faire un effort de ne pas reprendre les mêmes cinématiques. Au pire, je veux bien qu'ils fassent pas tout en cinématique, c'est-à-dire que, bon, ils plantent le personnage quelque part, ils le font parler, ok. Mais ça les empêche pas aussi de leur faire de faire des belles cinématiques. Je leur demande pas de faire que un mode histoire que en cinématique. Bon, d'accord, je comprends qu'avec la mémoire, au bout d'un moment, on puisse pas. Mais quand même, il y a des trucs qui sont inadmissibles qu'on fait aujourd'hui. Et que c'est pas possible, ça passe plus. Bon, franchement, je vais vous dire, j'étais parti pour acheter tous les Dragon Ball Z. Sauf que, depuis le Ranging Blast, déjà, ça, enfin, même déjà bien avant, hein, déjà les Tenkaichi, quand j'ai vu qu'ils suivaient tellement, ça m'a un petit peu dégoûté. Je me suis dit, bon, allez, j'achète quand même, quitte à faire le mouton. Mais à partir du Ranging Blast 2, non, 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 c'était fini. Ça, je vous en parlerai certainement plus tard, mais en gros, ils nous ont foutu, mais un mode histoire, mais rien du... C'était même pas un mode histoire. On enchaînait des combats et c'est tout. Je l'ai revendu, le truc, un truc que je fais jamais, généralement. Ça m'a tellement déçu, je me dis c'est bon, c'est mort. J'achète plus rien tant que je suis plus sûr. Avant, on savait que quand on achetait un jeu Dragon Ball Z, à partir de celui-ci, que après, c'était bon, il nous avait fait un truc de fou. Alors que maintenant, c'est plus une valeur sûre. Aujourd'hui, les Dragon Ball Z en jeu vidéo ne sont plus des valeurs sûres. Si vous achetez un Dragon Ball Z, soyez certain que ce que vous allez y acheter, il y a du contenu et que ce contenu a bien été exploité et que les développeurs y ont mis du cœur et que ce n'est pas simplement une repompe de ce qu'ils ont fait précédemment. Franchement, assurez-vous de ça maintenant avant d'acheter un jeu Dragon Ball Z. C'est vraiment un conseil que vous devez suivre, je pense, et que moi, en tout cas, je suis. Alors là, je vais vous lancer le mode histoire. J'espère qu'il commence au début, parce que c'est possible que... Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas choisir. Il y a trois phases. Il y a la phase Saiyan au début, voilà, quand l'histoire commence. Après, il y a la phase sur Namek avec Freezer, et la troisième phase après sur Terre avec le Cell Game. Mais si par exemple vous vous êtes arrêté par exemple à l'histoire de Freezer, bah, quand vous allez recommencer le jeu, bim, vous allez lancer histoire et ça va recommencer dans la saga de Freezer. Là, je pense que j'avais fini l'histoire, donc logiquement ça devrait recommencer au début. Voilà, bon, ça c'est peut-être un petit défaut, c'est qu'on ne peut pas choisir. Mais bon, oh, c'est pas bien grave. Toutes les techniques que je vais gagner dedans, en général, ce sera des techniques que j'ai déjà. Hein. À part s'ils nous ont fait gagner des nouvelles, ça j'en sais rien, mais je crois pas. Mais là, vraiment, je voulais parler de ça avant de commencer l'histoire, parce que là, je vais vous laisser la cinématique d'intro, vous faire apprécier
ces cinématiques-là, qui pour l'époque étaient vraiment très bien faites. Enfin, je vous lance et je vous en parle après. Attention, c'est parti. Bon, ok, d'accord. Il est en train de me faire mentir, quoi. Ah non, ce qu'il y a, c'est... Non, ouais, il m'a fait mentir, dis donc. On peut choisir. Oh, cette merde. Enfin, cette merde, non, c'est pas de la merde. J'ai dit un défaut alors qu'en fait, non. Ça fait tellement longtemps, mais j'étais tellement sûr. Ah, et après... Ah, j'avais complètement zappé ça. En fait, l'histoire, elle est complète. En fait, si vous faites une nouvelle partie, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Si vous faites une nouvelle partie, vous avez toute l'histoire d'un coup. Mais après, une fois que vous l'avez fait une première fois, vous avez des trucs qui se rajoutent, voilà, new. Et vous avez des morceaux un peu plus détaillés de l'histoire qui apparaîtront. Et qui vous permettront je crois, de manipuler d'autres personnages. Et de débloquer d'autres techniques, etc., etc. Ah ouais, donc vous voyez, ça, je m'en souvenais même plus. Honte à moi, je fais un test et je me souvenais plus de ça. Voilà, bon, écoutez. Je m'en suis rendu compte. Donc ce que je vais faire, c'est que plutôt je vais faire une nouvelle partie. De toute façon, j'en ai rien à faire d'écraser celle-ci. Et comme ça, au moins, on va faire l'histoire. Ce sera pas l'histoire détaillée, du coup. Mais ce sera l'histoire comme je la connais bien. Et qui m'a tellement plu quand j'ai eu le jeu. Oh là là là. Si vous saviez... Alors, si vous recommencez une partie, les réglages... Ok, oui, donc commencez. Voilà. Sauvegarde dans le Sloa. Des données sauvegardées de Dragon's existent déjà. Oui, je veux écraser. Tiens, je t'écrase. Voilà. Oui, c'est bon, allez. Nouveau jeu, hop. Donc là, à mon avis, ça doit m'avoir donné Dragon Ball. Oui, parce qu'on peut débloquer des Dragon Ball qui nous permettront, une fois les 7 réunis, d'invoquer Shenron et de faire un vœu comme avoir une nouvelle technique ou débloquer un nouveau personnage, etc. Attention, je lance l'histoire.数々の戦いを勝ち抜いてきた孫悟空は息子悟飯を連れて仲間との再会を果たしていた。その頃、突如宇宙から現れた異星人が衝撃の事実を伝える。 俺は貴様の兄ラディッツ。そして貴様はこの星の人間ではない。全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。孫悟空はその圧倒的な力の前に倒れ、息子ゴハンを連れ去られてしまうのであった。 Bon, quand je vous dis que l'histoire est super bien, patati patata. J'avoue que c'est peut-être aussi un petit peu de la nostalgie qui parle. Là, j'ai toujours le même avis, hein, sur l'histoire, mais peut-être que vous, ça doit vous paraître vieillot, mais en même temps, c'est normal, ça a vieilli. Et pourtant, hein, j'arrive quand même à prendre mon pied en regardant ça, encore une fois, parce que les cinématiques de ce jeu, comme déjà, elles sont uniques, mais aussi, elles sont tellement travaillées. Écoutez-moi ce doublage. お前らごときで俺に勝てると思ってる。身の程知らずとはこのことだ。こぶってのはただ強か一丁もんじゃねえぞ。こいつは作戦があんだ。こうまで間抜けとはな。ならばいいことを教えてやる。俺の他に生き残ったサイヤ人、さらに戦闘力が上なんだ。 Le truc, il est vécu, quoi. Et bon, là, c'était peut-être pas un très bon exemple de doublage. Vous allez voir par la suite, de toute manière, je vous laisserai écouter certaines cinématiques. Mais c'est magnifique. Notamment, je pense à un moment là qui va être dans pas longtemps. C'est vraiment, mais c'est vécu. Le doublage, les doubleurs ont vraiment, vraiment bien fait. En même temps, quand c'est des doubleurs japonais, on sait que c'est toujours de la très très bonne qualité. Mais attention, pour l'époque quand même aussi,
C'est super bien. Oh, attendez, je vais lancer le combat. Moi j'avoue que même, enfin, même aujourd'hui, je veux dire, c'est pas parce que c'est du japonais que c'est toujours forcément bien fait. Mais ce qui me surprend beaucoup quand même, c'est le fait que qu'on s'y croit vraiment grâce à eux. Mais il n'y a pas que ça. On s'y croit aussi beaucoup grâce à la mise en scène incroyable. Vous avez des plans de caméra, tout ça qui nous mettent bien dans l'ambiance, avec en plus un fond sonore qui change en fonction de ce qui se passe dans la cinématique, qui nous prend toujours des petites mélodies qui nous font penser aux musiques originales. Oui, parce que les musiques originales ne sont pas présentes. Attendez, je vais pas le tuer tout de suite, sinon je vais pas avoir le temps de vous dire tout ça. Qui ne sont pas présentes dans le jeu, voilà, ça. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire venir les musiques originales dans les pays occidentaux. D'ailleurs, même les jeux au Japon, si. Je sais même pas s'ils les ont. Je sais pas en fait si ce n'est qu'une histoire de pays ou si c'est carrément tout le jeu qui n'arrive pas à avoir les droits. Bon, attendez, cinématique, je vous la laisse. Et surtout aussi ce qui fait l'énorme force de... Tiens, nouvelle technique, oui, bon, voilà, donc vous voyez, on gagne une nouvelle technique. Et surtout ce qui fait l'énorme force de ce mode histoire et qui est encore une fois trop peu présent, voire même pas du tout dans les nouveaux jeux, c'est la diversité du mode histoire, de ce qu'on a à y faire, parce qu'on n'a pas que des combats, et ce qu'on va avoir là va le prouver. Parce qu'aujourd'hui, c'est voilà, c'est combat, 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 combat. Alors que là, bah, attendez, écoutez cette scène magnifique. Ah, si le doublage n'est pas vécu, là, je sais pas ce que c'est. Hein. Dans les jeux actuels, ça aurait été Ne touche pas à mon papa! Ouin! Alors que là, non, c'est Ouah! Vous voyez la différence? Là, le gars, il le vit, il le sort de ses tripes, le ouin! Vous entendez ça? Vous avez entendu? Et c'est pas le seul. Après cette phase-là, vous allez voir aussi, il y a une autre réplique très connue de Piccolo, si vous voyez. Donc, normalement, si vous connaissez, vous voyez de quoi je parle. Donc après cette scène-là, il va y avoir une autre scène aussi. Et après, on s'arrêtera là, je pense. On va pas trop continuer. On s'arrêtera après la fameuse scène de Piccolo. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est vraiment vécu. Ça, j'insiste beaucoup dessus parce que c'est ce qui m'a transporté quand j'étais petit. Voilà, quand vous avez les musiques derrière, quand vous avez la mise en scène magnifique, quand vous avez la variété des combats et que en plus vous avez un doublage du tonnerre. Vous avez mis des souvenirs et du coup moi ça me rend nostalgique quoi. Bon, allez, et regardez justement cette phase-là qui est très originale puisque ce n'est pas un combat. C'est en fait, on est Goku et on doit bouger le joystick. Si jamais Raditz, voilà, part vers la droite, on doit le remettre avec le joystick en tournant. Oh merde. En tournant. Merde, merde. Avant la fin du temps imparti, il faut qu'on soit sur la ligne bleue. Oh, merde, merde, merde. Oh putain, j'ai perdu. Oh j'ai perdu. Parce qu'en fait, juste au dernier moment, il m'a envoyé valdinguer le temps que je tourne le joystick. C'était pas assez. Bon, alors je le refais. Et comme vous voyez, là, vous venez de voir un truc incroyable. Incroyable. Si, si, quand même. C'est que il n'y a pas de temps de chargement. Vous avez déjà vu beaucoup de chargements depuis le début? Moi non. Et là, vous voyez, j'ai fait rejouer. Aucun temps de chargement. Merde, merde, merde. Oh non, 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 non. Putain, ce salaud. Oh là là, ce salaud. Mais j'ai pas galéré comme ça la première fois.
Oh mais ce salaud! Putain, faut vraiment faire des petits à-coups, oui, parce que si on fait de trop gros à-coups, après il part en live. Et là, si je bouge pas. D'accord, je bouge pas. Il va m'envoyer Valdingue au dernier moment. Ah voilà, là il bouge, il bouge. Oh putain. Vite, vite, oui, ça y est, j'ai réussi. Et là, je vous laisse apprécier encore une fois, je sais. C'est vrai que les sous-titres sont assez marrants parfois parce que vous avez zut, bon sang, mais c'était un peu pour censurer les insultes, hein, je pense que ça vous l'avez compris. Voilà, vous avez vu un petit peu de quoi regorgeait le mode histoire. Donc là, vous en avez vraiment vu, mais qu'une petite partie. Parce qu'il y a encore d'énormes bons moments que moi j'adore et que je pourrais vous faire les répliques par cœur, la manière de le dire des personnages exactement similaires. Parce que ah, même après tant d'années, quoi, quand je les refais, parce que je me suis refait toute l'histoire là avant de vous faire le test, mais j'étais aux anges. Par contre, une petite chose aussi que je dois dire avant de terminer, c'est que je vous disais tout à l'heure que par rapport aux jeux récents, parfois, il se foule pas trop pour l'histoire, et parfois, on est déçu. Et parfois, je me dis, parce que j'ai quand même cette référence-là dans la tête. Pour moi, ça, c'est la référence au niveau de l'histoire. Il n'y a pas mieux. Quand on voit ce qu'il y a après, quand on voit qu'ils nous refont toujours la même chose ou qu'il n'y a même pas de cinématique. Et les seules, alors déjà, voilà, je gueule contre ça. Et les seules fois où il y a des cinématiques, donc comme dans Burst Limit, je me dis putain. Quand je joue au jeu, je me dis. Mais ça vaut pas le Dragon Ball Z Budokai que j'ai connu en 2003. Ça vaut pas. Et pourtant, et ça c'est valable dans beaucoup de choses actuelles, et qui fait aussi que les gens ne sont jamais contents, quand j'ai rejoué à ce jeu-là, je me suis dit, ah ouais, ça a quand même pris un coup de vieux. Les scènes que je pensais hyper longues, hyper intenses, hyper intéressantes et tout, elles le sont, mais un peu, j'ai pas envie de dire vieillies, mais elles sont moins impressionnantes que dans mes souvenirs. Parce que bon, c'est vrai que quand on est jeune et quand on repense à un truc qu'on a beaucoup aimé, on a tendance à le mettre beaucoup plus en valeur que ce qu'il ne l'est normalement. Et donc c'est vrai que quand j'ai rejoué à ce jeu, je me suis dit, en fait, je suis peut-être trop difficile. Parce que quand je revois certaines cinématiques de Burst Limit qui sont vraiment, vraiment très, très bien faites et que je vous avais mis d'ailleurs dans la présentation, je me dis, putain, mais si, en fait. Il y a quand même un énorme niveau de fou. Par contre, ce qui manque aussi parfois, et que là, je sais, j'ai pas arrêté de le soulever depuis le début, c'est les doublages. Parfois, les cinématiques ont beau être bien faites, les doublages sont pas hyper réussis, les doubleurs ne vivent pas complètement à travers le personnage, et c'est peut-être ça aussi qui me fait dire que c'est pas aussi bien que celui-ci. Parce que les doublages, mine de rien, pour moi, ça joue énormément. Je veux dire, quand Goku va se transformer ou va s'énerver, il va faire "Je suis énervé." Ou alors il va faire comme ça, hein, ça change tout de suite là. Et ouais, ça change tout de suite. Et c'est là où j'ai envie de dire que c'est chiant parce que enfin, par rapport au fait que je dis que parfois on est trop difficile, c'est que les gens, des fois, actuellement, et même moi j'en fais partie, j'en suis sûr parfois, c'est qu'on n'est jamais content. On dit toujours oui, mais ah, c'était mieux avant. Voilà, c'était mieux avant. Mais ça, on le dit par nostalgie, et parce que, comme je vous dis, on met trop nos souvenirs sur un piédestal tellement haut, et qu'on se dit non, non, ça égalera jamais. Donc, le jeu récent pourra nous donner n'importe quoi, on sera têtu, on dira toujours que ce qu'on a vraiment aimé, ce qui nous procure des souvenirs incroyables, ce sera toujours mieux. Et ben c'est en rejouant à ce jeu que je me suis rendu compte que non, et que parfois je suis un petit peu trop difficile. Ça fait prendre conscience vraiment de ça, ça fait vraiment prendre conscience de ça, et je vous invite de votre côté à en faire de même. La prochaine fois que vous verrez un nouveau projet apparaître, un nouveau jeu de développeur qui va vous rappeler des souvenirs, et que
que vous allez penser « Ah, c'est pas aussi bien », et ben avant de le critiquer sur les réseaux sociaux, avant de laisser des commentaires insultants, avant de dire quoi que ce soit de mal sur le jeu, ressortez votre jeu des souvenirs et là, essayez... Attendez, je me concentre un peu. J'aimerais bien lui faire un enchaînement. Voilà, parfait. Ressortez le jeu, rejouez-y et réfléchissez un peu avant de parler. Voilà. Et regardez si quelque part votre avis n'a pas quelque peu changé et qu'au final ce que vous pensiez c'est peut-être pas aussi bien. Voilà. Que dans vos souvenirs c'est peut-être pas aussi bien que ce que vous pensiez. Voilà. Franchement, repensez à ça, même si je sais que à chaque fois que vous pensez à ça, vous allez peut-être pas le faire, vous allez peut-être pas dire « Oh putain !» Attendez, là, j'ai un nouveau jeu, je le trouve un peu moins bien, bon allez hop, je rebranche l'ancienne console, je me remets dans l'ambiance, je me refais le jeu et tout, non, voilà, je suis bien d'accord que vous allez pas refaire ça à chaque fois, mais sincèrement, franchement, faites-le parce que c'est souvent trop insultant envers les gens qui font les jeux. Et puis même à voir dans les commentaires des gens comme ça qui gueulent pour gueuler. Franchement, parfois, c'est chiant. J'avoue que parfois, comme là, je disais, je mettais vraiment ce jeu sur un piédestal. Mais c'est pas pour autant que je me mettais à critiquer ça à tout va sur le net. Je préférais garder ça pour moi plutôt que de gueuler. Ça servait à rien, je trouve que ça sert à rien. Voilà. Donc, voilà, réfléchissez bien. C'est un conseil. Et ça pourra faire que des bonnes choses sur les communautés, sur ce qu'on voit habituellement, sur vous-même, sur les a priori qu'on aura sur vous plus tard, de tout ce que vous pouvez dire. Parce que c'est souvent comme ça qu'on obtient une réputation un petit peu... De râleur quoi et c'est pas forcément bénéfique pour vous parce que c'est pas parce qu'on gueule qu'on a forcément raison. Bon, et je vais vous quitter sur ces merveilleux mots. Je vais vous laisser apprécier le reste de l'histoire de Vegeta. Là ouais, je vais lui éclater un petit peu la gueule. Je sais pas quand est-ce que j'arrêterai. Je vais essayer de vous en faire profiter le plus possible. Et quant à moi, je vous dis de bien retourner à vos occupations et ciao à tous. こうなった大猿に変身してぶっ潰してやる。後悔するがいい、カカロット。 貴様はもう終わりだ。なんてでけえ気だ。多分オラの全部と地球の元気玉を食らわしてやる。海王様との修行で得得した元気玉を準備する孫悟空であった。どうだ、目も足も出まい。
のまま握りつぶしてやる。にゃーん、何か嫌がるな。どこだ。父さんを離せ。なんだ、カカロットのガキか。わざわざ父親の最後を見に来たのか。炎山。よーく見ておくんだな。跡形も残らんように潰してやるから。なバカ、もう一人いることぐらい気づかんとでも思ったか。残念だったな。怒らせてそんなに死にたいか。だったら望み通りぶっ殺してやるぞ、ゴミどもめ。やっとの思いで倒したサイヤ人であったが、残された力で宇宙船を操り自分の星へ逃げ帰ろうとしていた。畜生、この俺が無様だ。殺されたみんなの恨みだ。体が言うこと。死ぬ。待ってくれ。こいつに貸してやってくれ。こちらくんは分かったけど、頼む。ほら、もう一度そいつと戦えて、もう次は絶対にベジータを倒してみせる。ほら、ほら、一人にやらせてくれ。貴様らに奇跡はないぞ。悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでちょいちょいとやっつけてくれよ。すまねえクリリン。